Okay, so we just got off stage. I'm here with Sophie Nélis. We did your panel in French, which was really fun because you're from here. Yeah. And a lot of people come to Montreal Comic Con don't get to get, you know, French panels. So, but for you, coming from Montreal, je pense que c'est vraiment important de, pour toi de garder tes racines ici à Québec. Parle-moi un peu de ça. Mais je sais, c'est ici que j'ai grandi et non seulement ça, je trouve que Montréal a une scène culturelle extrêmement riche. On a tellement de bons réalisateurs, de bons acteurs au niveau de la musique aussi. Fait que c'est sûr que, puis il y a quelque, y a une ambiance tellement singulière, c'est tellement familier les plateaux québécois que c'est sûr que oui, je fais des projets aux États-Unis, mais ça reste que où je me sens le plus à ma place, c'est à Montréal, puis c'est ici que je veux continuer de tourner idéalement pour le reste de ma vie. Là. Et aux États-Unis en même temps, mais si je peux jongler les deux, ce serait ça le rêve. Pour toi, tes influences cinématiques, comme quand tu as commencé, c'était qui que t'as vu pour la première fois qui t'a dit « Wow, je veux faire ça » C'était une pub pour Jean Coutu. que j'ai vu, puis j'étais comme, moi, je vais être dans une pub de Jean Coutu. Je sais pas pourquoi, j'avais comme 8 ans, là. Puis j'étais comme, ah, ça serait cool. Puis avant même que je commence à être comédienne, puis je suis tombée dans le milieu de manière complètement aléatoire. Je faisais de la gymnastique, j'avais besoin d'argent pour payer pour mes entraînements. Puis ça va-tu te déranger, ça? Bon, non, je pense pas. Il y a comme un mais voilà. Fait que drôlement, peu longtemps après mes débuts, j'ai décroché un rôle pour une pub de Jean Coutu. mais je pense que par la suite, j'ai développé des... Bon, j'ai commencé à être une grande fan de Xavier Dolan, de Denis Villeneuve. J'ai eu la chance, assez rapidement dans mon parcours, de travailler avec Karine Vanasse, que je trouve incroyable, non seulement sur un plan... tu sais, elle est extrêmement talentueuse, mais... C'est une personne tellement humble, tellement groundée, qui se souvient du nom de tout le monde sur l'équipe. Fait que sa personnalité puis sa personne m'a vraiment inspirée. Puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors moi, je te dis Jean Coutu, OK? Gift cards for life. Et c'est ton premier Comic-Con. Oui. Alors, je suis sûr que ça va être pas ta dernière. Et c'est vraiment fun que nous, on a eu la chance d'avoir ça avec toi. Alors, I hope your memories of Montreal Comic Con will always be nice because we're the first one! Je sais, j'ai passé un avant-midi, pardon, puis... mais les gens, c'est parce qu'ils sont tellement fins, ils sont tellement dévoués, puis tu sens qu'ils sont juste tellement heureux de te voir, puis c'est vraiment, vraiment flatteur, puis ça fait très chaud au cœur, je trouve. Sophie Nélis, come see her at Montreal Comic Con!